Bonsoir tout le monde, c'est Téléjournal là qui rentre la caillou. Merci parce qu'on branché télévision nationale dans le ça, mais quelques points qui pourraient le développer dans le journal ça. Président de la République, là, Jovenel Moïse, visitait jeudi 24 mai à foyer maison provinciale des sœurs salésiennes de Don Bosco dans Carrefour-Feuille. Visite sa fête dans l'occasion fête Marie Auxiliatrice, qui est patronne salésienne. Équipe Caravane Changement, dans le département l'Ouest, est en main une série de travail nettoyage dans la rivière Blanche, dans la commune Gantier. Yon équipe télévision a visité travail sa yo. Plus de détails dans le développement téléjournal à Soya. Dans un arrêté communal, il mettait dehors, mairie Port-au-Prince annonçait une amende de 10 000 à 50 000 goudes contre tout le monde et entreprise qui a jeté fatra dans la rue. Une délégation CARICOM rentrée dans le pays depuis hier, mercredi 23 mai. Objectif visite là, c'est travail sur un projet CARICOM a mis en campé qui baptisé projet mise en place accès sous résultat. Suite à diverses opérations contre contrebande, l'administration générale douane rive saisi une vingtaine de camions qui ont transporté marchandises contrebande dans le pays qui sorti République dominicaine, d'après directeur général Jean Jaurel Janvier. L'autre point à bien pour nous développer, Institut national avec formation professionnelle INFP, signé jeudi 24 mai, accord. Deux accords, yon avec l'Organisation internationale travail et puis l'autre là, avec Centre interaméricain de formation professionnelle. Accord ça yo doit aider à augmenter la capacité INFP dans le cadre de formation professionnelle jeune qui vivent dans le milieu rural. Et puis à l'étranger, le président américain Donald Trump annule le sommet historique qui te prévoit et jeudi 12 juin qui vient là dans Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. N'a tourné après pause là avec développement téléjournal ça pas déplacé. Chaque jour dans la vie où il pour faire un choix. Mais c'est où qui pour faire choix qui est plus intelligent. Yon choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec des machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener au pire. Objectif Lul Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. Lul Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que l'on entreprend chaque jour dans la vie. Développement société, quel que soit le domaine ou l'évolution, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la gagne en route. Et l'ICE partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Caoutchouc sin top tête chat sa yo encore. Mais pas gagné, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine ou va joindre de tout côté pour rouler caposé. OK. Pas oublier top taise. C'est fun wash, chine route, coche clou. Ah, gonji boule m'a joué. Vendez-moi 4 caoutchoucs, Tom. De quel grosseur vous voulez? Quoi? Top Tires, c'est fun wash, chine route, coche clou. Soleil a chaud, comme un
machin vin baisser chalet. Produit séjourné. L'autre fois, on a pu saluer tout le monde et nous invitons Kounia nous parler comment conditions temps avec les prévisionnistes, nous, Wilner Polidor. Jeudi 24 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique. Là, temps est très stable sous pays et en pile va venter un bel soleil et température à la aujourd'hui à en à la raison qui fait ça. Nous avons une zone de haute pression qui toujours influencé les conditions météorologiques sous la région Caraïbe la Jodia. Et la zone de haute pression, ça, non seulement Jodia a influencé les conditions tarifs, mais demain et au cours du week-end, nous avons un temps qui ensoleillé sur tout le pays avec vent qui a soufflé et des vents qui arrivent jusqu'à 40 km par heure. C'est-à-dire que nous avons senti faire vent sous le pays pour Jodia. Majorité département concerné par vent qui a soufflé sous pays à main, qui a possibilité pour gagner quelques averses isolées, j'en ai sous modèle de précipitation. Yo. C'est vraiment quelques averses isolées, disons, dans le centre Artibonite avec le sud-est, surtout l'extrême sud-est. Mais à part de ça, pour le pays, c'est du beau temps avec bel soleil et puis temps qui a venteux au cours de journée et n'a pas senti effet vent pendant journée et même au cours de nuit. Là. Pour capitale avec zone qui a vu son capitale qui en bas instabilité avec un jus de beau temps soleil avec vent Jean-Noël sous Imaïsa, mais tout il y a bien température cap très haut la fait 35 degrés aujourd'hui et puis bah la descend dans nuit là c'est 24 degrés et n'a senti effet chaleur aussi au cours de nuit là mais dans l'ensemble pour tout pays assez beau temps et nous capable profiter de week-end ça pour nous aller faire excursion avec tourisme local parce que n'a bien un beau temps sous pays d'Haïti. La mer li même li agité à faute sous ni côte nord ni côte sud par rapport avec zone de haute pression qui continue à pousser vent sous pays a en ce sens nous demandons capitaine d'embarcation précaution avec prudence si tout là pas entrer dans fond la mer parce que dans zone côte nord et côte sud pays d'Haïti la mer a agité à faute sous zone côte ça yo et pour pas jaser sur le micro sur la couche jeudi à 7h20 minutes et la pleuvée demain matin à 6h13. Mesdames, Messieurs, merci pour filer nous avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Merci Wilner et mes journal en détail Kounia, président République là Jovenel Moïse visité jeudi 24 mai foyer maison provinciale des sœurs salésiennes de Don Bosco qui n'a qu'en Faufeuille visite la fête dans occasion fête Marie auxiliatrice foyer maison provinciale sœurs salésiennes Don Bosco gain 83 l'année dans pays a actuellement foyer a gain 50 timoun et cap bénéficier éducation scolaire et formation dans quelques activités manuelles tant koukouti bauderie avec poterie. Dans l'occasion, ceux qui sont responsables remettent président de la République là, plusieurs cadeaux. Maison provinciale c'est Salésienne Don Bosco dans Kafoufè, gen 83 l'année dans le pays a ap okipe timoun qui sorti dans plusieurs régions. Actuellement, foyer gen 50 timoun sous responsabilité chez sœur yo. Timoun sa yo bénéficie éducation scolaire ak formation dans quelques activités manuelles tant koukouti, broderie ak poterie. Ces responsables qui te remettent président de la République plusieurs cadeaux, dix visites ça à entrer dans l'analyse l'histoire foyer qui toujours gain bon gens collaboration avec tout chef d'État qui passe sous pouvoir depuis 83 ans.
Merci Falan Delphin, équipe Caravane Changement dans le département l'Ouest, en main une série de travail dans nettoyage dans rivière Blanche qui dans commune Gantier. Une équipe télévision nationale t'a visité travail au mercredi 23 mai, il a montré nous comment ça y est. C'est environ une vingtaine de techniciens qui mobilisés pour faire travail curage ça dans rivière Blanche dans commune Gantier. Dans le cadre d'opération, ça, technicien caravane changement yo a fouillé rivière, retiré remblai et puis fait route pour doit passer normalement. Selon ingénieur yo, travail ça pral permettre l'état haïtien réduire risque inondation à glissement terrain qui konn gen dans localité a les gen la pli. Kounya n'a bat n'a travail sur rive gauche là et après pour travailler sur rive droite là pour pousser un peu sur rive droite là, mais plus gros travail n'a fait, plus gros travail digne n'a fait, c'est sur rive gauche là parce que c'est là brèche atay qui permettent d'aller aller zone ti marché zone ti b. Et c'est ça que fait, c'est la souligne collée là plus, n'a travaille sous lui en attendant. Et puis tout nous te font bel travail là au niveau siphon hein, quand on aide l'eau à traverser là les dans rive gauche. Ils sont rive droite là dans rive gauche. Nous te fait un travail curage au niveau siphon hein, et depuis hier, nous baï mounyo de l'eau, mounyo gain de l'eau, l'eau descend ici en bas côté pour rejoindre l'eau pour capable bouser. Population zone nan di yo apprécié initiative l'état haïtien prend pour nettoyer rivière Blanche. Yo souhaité équipe lan mette gabion dans deux bords rivière ya pour empêcher de l'eau la été colle, j'ai te konn fait ça avant. L'eau en c'est pas jeune gabion, ça son travail inutile là brier parce que l'eau doit venir konn venir à gros secousse, ça pas capable de l'eau en vraiment. Et surtout encore et tout yo nettoyer, hein, faut que yo te ka mette yon til en l'air pour kembe parce que gen ti moun ki remet aller sous tout yo. Gen machine tout dans deuxième premier espace tout hein, gen l'autre deuxième tout qui premier tout hein, si on pas fait yon façon pour ta plus ouvrir route là et puis pour te cabarel n'importe machine qui ka vini ka tomber là dedans. C'est ça net belle bagaille parce que ça k'a fait là pour qu'on gagne là mon cher son fierté le pour président avec nous parce que de l'eau a demandé manger nous tout à fait nous de l'eau a fin prendre mon cher président gen les deux terres pour t'aba nous un petit souffle. Pendant que l'État vient, on fait travail ça pour nous là. Le président fait travail ça pour nous. Nous disons que nous sommes en nous comptons tout, nous connaissons bien souffle. Nettoyage Rivière Blanche, rentrer dans le cadre d'une série de travail, chef de l'État, Jovenel Moïse, à travers l'équipe Caravane Changement, en main, pour permettre à la population de joindre un souffle dans le problème de la rivière et la ravine qui est la cause dans le pays, dans le moment là. Merci John Herbie Casseus avec Wilson Isidore pour reportage ça. N'a continué avec directeur départemental l'Ouest et police nationale là Berson Soljou qui bail explication sur climat insécurité 3e circonscription Port-au-Prince a fait face depuis quelque temps. Commissaire Berson Soljou a annoncé une enquête qui déjà commencé pour river identifier raison qui la cause et tension dans zone là. Commissaire a mandé population garder calme pendant le bail garanti disposition déjà prend pour joindre une solution avec un problème si là. Nous invitons à écouter dans le micro Louinel avec Moïse Wilbridge. Nous avons informé de la situation et rapidement, disposition des plans pour que le calme soit rétabli. Donc, l'ensemble de l'unité est mobilisé pour que le calme soit rétabli. Et nous allons continuer enquête à faire tout ça, ensemble de. Équipe de renseignement dans la rue pour bonne boucle et surtout dans notre patrouille de caoutchouc. Il faut qu'on dise que la police nationale n'est pas seule, pour l'ensemble de l'autre entité et le pays à cap travail. Et nous avons des informations puisque il y a des problèmes, peut-être des malaises. Donc la police nationale d'Haïti et direction départementale a pris des mesures puisque véritable problème dans les tirs qui t'a fait. Et très bientôt, on va annoncer nous que. Direction départementale a pris disposition des contrôles qu'a fait pour que nous jouions le rôle par nous, pour nous commencer par arrêter des citoyens qui sont des armes illégales. Ministre haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau Guy André François accueilli jeudi 24 mai une délégation association infirmière haïtiano-américaine qui sorti dans l'État Floride pays États-Unis. Visite délégation dans pays a rentré dans cadre des missions pour accompagner divers l'hôpital public avec privé dans biomatériel médical et puis permettre plusieurs jeunes cap étudier sciences infirmières bénéficier formation avec stage dans l'hôpital pays étrangers. Un reportage à Sainte-Croix-Paquis avec Fresnel Toussaint.
Mission principale association infirmière haïtiano-américaine, non, c'est renforcer l'hôpital public à privé, nan permettre de bénéficier matériel médical, installer plusieurs cliniques dans la région reculée, et puis permettre divers jeunes qui étudient sans infirmière bénéficier stage dans l'hôpital États-Unis, d'après explication responsable ANAYO. Différents niveaux que ça n'a fait. Gain niveau, c'est l'hôpital, nous partenons avec l'hôpital, nous partenons avec Primary Care Haiti qui est dans l'hôpital de Pignon, nous partenons avec Ophelin qui est dans Jacques Melio, nous partenons avec Clinique pour nous voir qui ça a besoin, chaque lettre a venu, qui ça pour nous venir, pour nous venir attaquer, pour nous résoudre le problème. So, ça dépend. Nous prenons un petit monde qui sort ici. Nous menons au Floride, là où arrivé pour une semaine ou bien deux semaines, ça y fait. Nous menons dans l'hôpital, nous parlons avec l'autre leçon infirmière. Il y a des dans l'école qui gagne l'autre lab simulation là côté, yo pratiquer, yo fait. Yo venu dans côté nous travail. So menons dans différents dans ça y côté que nous menons dans dialysis center. Nous fait coup pour yo même parce que ma amie did offrir nous salle que nous fait leadership coup, nous fait un coup pour en sous infection. Nous bayo CPR card. Pendant deux ans, l'MT président, moi te recevoir plus que 600 élèves. Ministre haïtien qui a vif l'autre bord de l'eau, Guy André François, qui t'a recevoir délégation ça, fait connaître. Ministère l'a dirigé a prend engagement pour accompagner toute association dans la diaspora qui travaille pour renforcer l'économie pays. C'est peut-être ça, ministère des haïtiens vivant à l'étranger, t'es créé. C'est dans le but d'assister, d'informer et d'accompagner et les haïtiens vivant à l'étranger, particulièrement association yo, élu yo. Parce que de jour en jour, nous avons élu dans plusieurs zones. Et donc, c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Côté, et nous, là, pour nous assister, côté, et nous avons dit que le commissionneur a dit un ministre des Haïtiens vivant à l'étranger qui tombe dans le critère, qui vient accompagner nous. Et pour nous avoir l'assistance au niveau du gouvernement, parce que vision et président Jovenel Moïse avec le premier ministre Jacques Guy Lafontaine, c'est d'intégrer la diaspora. Qui veut dire l'intégration de la diaspora. Et semaine dernière, moi j'étais monté à Miami et côté nous t'aller nous premièrement nous t'ai quitté Arcaye pour célébrer drapeau dans la zone sud Floride côté nous t'ai participé dans compa festival côté nous t'ai rencontré les différentes associations professionnelles telles que chambre de commerce, association infirmière, association des avocats côté nous gain un mouvement que nous lancé qui est caravane changement arrivé sous diaspora. Ça veut dire caravane changement arrivé sous diaspora qui veut dire que et le développement, la vision président Jovenel Moïse avec le premier ministre Lafontaine, c'est ça y est, l'infrastructure qui a mis sur pied dans 10 départements. Yo. Donc, moi-même, Wall Pamain, c'est pour aller vers la diaspora, montrer ce que le gouvernement a fait, et me dire que vous-même, c'est pour participer dans le développement et différents 10 départements. Yo. Association infirmière haïtiano-américaine gagne 34 l'année depuis la portée assistance par divers hôpitaux avec l'école infirmière dans le pays. Délégation ça a gagné pour quitter le pays d'Haïti lundi 28 mai cap vini là. Vous avez suivi un reportage Sainte Kwapaki avec Frenel Toussaint. Kounia n'a prend deuxième pause nous dans téléjournal là n'a tourner dans un petit moment. Chérie. Je travaille dur. Je pense que nous allons chercher Beltikay ça, oui. Beltikay, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici, nous avons un problème. C'est notre retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion de problème. AIC a un flexi-cash. Il aide à faire économie pour jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagnant. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous avons des solutions pour nous. Décision. C'est non même lié. Est-ce que vous avez un problème acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à t'aider madame avec toute famille. T'aider madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relez AIC dans 28 12 63 0 jours. AIC, c'est moins ce problème, plus de solutions. AIC à faire. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very,
véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Oublierez vous venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre les portes bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relé dans 37 48 02 20 et 42 56 51 80. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Merci pour fidélité. Mais deuxième partie téléjournal là, yon délégation CARICOM rentré dans le pays depuis hier mercredi. 23 mai, objectif là c'est travail sous un projet CARICOM a mette campé qui baptisé projet mise en place qui chita sous résultat côté tout pays mamyo a gagnen pour participer dans projet si là. Un reportage Anne Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Projet mise en place axé sur résultat, c'est pour arriver sensibiliser autorité en place, secteur privé a ak socio professionnel là. Sur une série de domaines qui a aidé le pays à avancer. D'après député secrétaire général CARICOM, Manorma Soyeknadan, qui continue à expliquer le projet ça pour permettre de mettre ensemble un groupe de monde qui a évolué dans le même domaine, ça qui va faciliter le développement du domaine plus rapide à travers échange toute qualité pays saïo pour l'entreprendre. Le même exemple pourrait s'appliquer à l'agriculture, pourrait s'appliquer aux énergies renouvelables. Le même exemple pourrait s'appliquer dans n'importe quel autre secteur énergétique. Donc, les gens en Haïti, que ce soit la population, que ce soit les gouvernements, que ce soit les ministres, ils pourront en bénéficier en commençant par l'action qu'ils font pour pouvoir arriver au résultat final. Donc, tout au long du processus, ils pourront continuellement suivre et évaluer sur une base continue les actions qui sont en train d'être faites afin de pouvoir arriver au résultat escompté. Projet ça considéré comme une feuille de route pour intégration paysement marché commun Caraïbes là. Directeur stratégie management là Greg Beresford fait qu'on ait mis en place accès sur résultats pour l'encourager responsable fait plus d'efforts pour développer quelques domaines qui sont importants, tant que éducation, agriculture, santé. Et cela va permettre que tous les progrès réalisés dans le cadre de ce système soient suivis afin que tout un chacun puisse bénéficier de ce système. Haïti aura accès à d'autres marchés au sein de la région Caraïbes. Et plus Haïti deviendra compétitive, ils seront capables d'intégrer l'économie mondiale. Projet mis en place accès aux résultats pour apporter un pile bénéfice pour Haïti parce que les déjà gagnent ressources humaines compétentes capables de profiter tout avantage progrès à apofri d'après député secrétaire général CARICOM nan. Haïti pour répondre à qui ont série critères pour intégrer économie unique et marché CARICOM lan, vice secrétaire général et CARICOM lan Manorma Soyeknadan expliquait une fois Haïti répond à conditions exigées aux marchandises qui sont Haïti à casser qu'il est libre sous marché CARICOM lan. Toujours dans le micro de Marguerite Auguste à Hervé Pierre, nous invitons à suivre un extrait. Haiti is not yet a member of the CARICOM single market and economy. Haïti n'est pas encore un membre de l'économie du marché unique. Mais néanmoins,
Présentement, Haïti est en train de réaliser certains exercices. Par exemple, il y a des exercices qui sont réalisés conjointement avec le WTO en ce qui concerne les tarifs douaniers. Une fois que d'autres travaux seront réalisés, à partir de ces travaux, Haïti pourra à ce moment rejoindre l'économie de marché unique. Une fois que Haïti aura répondu à certains de ses prérequis, Haïti pourra accéder au marché unique parce que c'est ce que nous visons. Nous n'avons pas encore une économie unique parce que nous sommes encore très loin de cela. Et une fois qu'Haïti aura répondu aux conditions requises, nous pourrons, certaines marchandises d'Haïti pourront circuler librement au sein de la CARICOM et pourront être vendues au sein de ce marché unique que nous visons. And then some other work needs to be done, and once Haiti is ready, then they will access the CARICOM single market. L'autre point, Institut national de formation professionnelle INFP signe jeudi 24 mai à deux accords, une avec l'Organisation internationale du travail et puis l'autre là avec Centre interaméricain formation professionnelle. À quoi ça va pour augmenter capacité INFP dans le cadre des formations professionnelles jeunes qui vivent dans le milieu rural? Anne-Marguerite Auguste, Hervé Pierre. Si tu as commencé à viser développer et exécuter activité formation et échange expérience et puis transfert connaissance dans le domaine formation professionnelle, méthodologie sous formation formateur, compétences pour travail, entrepreneuriat et gestion entreprise. Fabrice Leclerc, coordonnateur programme Bureau international travail pour Haïti, expliquer projet à Consayo qui évalue à plus de 30 000 dollars américains pour permettre INFP élargir quatre formations dans l'autre domaine qui est utile marché. Les compétences pour le travail, l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise. Donc c'est sur tous ces domaines-là que porte la convention qui vient d'être signée entre l'OIT Sinterfor, qui est l'organisme de formation professionnelle des Amériques, de l'Organisation internationale du travail, et l'Institut national de formation professionnelle d'Haïti, afin de pouvoir renforcer les compétences de cette institution et les préparer aux défis des stratégies qui ont été présentées par Mme Maggie Durcé pour 2017 à 2027. Directrice générale INFPA, Maggie Durcé, salue l'accompagnement OIT Center for by Institution Lab Dirigea. Li fait connaître pour qu'on ait la formation professionnelle considérée comme un moteur de développement PIA. DG INFPA encourage jeunes à former tête à apprendre un métier parce que formation c'est un moyen clé pour assurer l'avenir. Améliorer la qualité et améliorer l'offre aussi parce que en intervenant sur les deux axes prioritaires de l'axe du plan d'action de l'INFP, c'est faire que les jeunes soient plus intéressés à la formation professionnelle d'une part, leur donner dans un deuxième temps une qualité de la formation à travers les formateurs que nous allons former, à travers de nouveaux programmes que nous allons mettre sur place. Par exemple, si nous prenons l'entrepreneuriat comme nouvelle filière, on peut dire que c'est l'OIT et Sinterfor qui, à eux deux, ont mis en place avec l'INFP cette nouvelle filière pour toutes les écoles professionnelles, pour le niveau professionnel de manière générale. Donc, ce qui fait que un entrepreneur qui va sortir de l'école professionnelle parce qu'il a eu un programme de cours d'entrepreneuriat, donc quelque part, il va y avoir cette valeur ajoutée que maintenant la formation professionnelle demande en termes de modernisation. Pendant la cérémonie signature à Koyo, directrice générale INFP a profité de présenter différentes étapes et plans institutions la dirigée à gagner dans le cadre de formation professionnelle là.
Merci Anne-Marguerite Auguste, à Kervé Pierre. Nous pour aller à l'étranger, Kounia, côté président américain Donald Trump, annuler sommet historique qui te prévoit pour jeudi 12 juin dans Singapour avec leader nord-coréen Kim Jong-un. Dans un courrier Maison Blanche te adressé leader nord-coréen, l'Iran public, président américain estime li pas possible pour Kounia pour rencontre ça à Kembe. Dans même texte là, président Trump parlait sous puissance arsenal nucléaire américain, il dit li espérer le pape jamais utiliser. D'après une information agence Associated Press ak Sky News, décision ça adopté alors que Pyongyang démantelé un site essai nucléaire. Régime nord-coréen croit destruction site essai nucléaire ça, c'est un geste bonne volonté. Président Trump croit c'est une occasion manquée ak un moment triste dans l'histoire. Toutefois, li remercier dirigeant nord-coréen pour libération trois prisonniers américains, li dit li kite porte ouvri si leader nord-coréen lui-même t'a changé l'idée. Et puis d'après résultat enquête qui t'est l'ouvri sous vol MH17 là, c'est un militaire russe qui responsable accident avion ça qui t'est fait dans l'année 2014, avion t'est écrasé dans espace aérien pays Ukraine là. C'est militaire russe qui responsable crash vol MH17 Malaysia Airlines là dans l'année 2014 pendant t'a traversé espace aérien pays Ukraine, d'après sa enquête internationale là révélée. Ça gagne l'année enquêteur était déjà soulevé piste ça mais au pas de confirmer information. D'après représentant police fédérale australien Jennifer Hertz, tout résultat enquête médico-légal yo confirmé conclusion avion MH17 là écrasé avec un missile Buk série 9 M38. Vol MH17 là t'a sorti dans pays Hollande pour la Malaisie dans moment crash là, explosion ça était la cause 298 monde qui était dans avion perdit la vie. Il y a certains monde déjà identifié dans cadre enquête ça qui pour arriver dans bout li Moscou bon côté parler implication dans zak ça et puis accuser Ukraine. Merci Betty Raphaël, amis téléspectateurs, n'a prend l'autre pause. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdit ça au fin payer ça c'est pas bon même. Koulia ça fait perdre data ak bidita. C'est Digicel qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nouveau plan Roloa avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur application My Digicel la Koulia et puis acheter plan Rolo Paula Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la Faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogan et Business and Technology Institute dans la ville de Kay. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogan. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14 rue Légitime Chaudemars à côté du musée d'art ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Amis téléspectateurs, nous tournons après pause là. Comme nous connaissons le 14 juin qui vient là, c'est pour le début mondial là, qui fait dans le pays Russie. Eh bien, télévision nationale gagne une nouvelle rubrique que l'a lancée à partir à Soya, qui porte le nom Info Mondial. Nous avons pour le bail toute information qui vient pour avec un grand événement sportif ça, qui va le faire dans le pays Russie. Et c'est avec collaborateur nous, Jérôme Pierre.
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec un pile plaisir que nous retrouvons sous télévision nationale d'Haïti pour nous porter pour vous une nouvelle rubrique qui est baptisée Info Mondial. Dans Info Mondial, nous avons parlé de tout ce qui a été fait dans la Coupe du Monde en Russie 2018. Dans tout, mais tout, nous présentons toute ville qui a été pour recevoir un match dans le Mondial. Nous avons tout d'abord commencé par Ville Moscou. Ville Moscou qui est la capitale du pays, la Russie. Jodi, madame, monsieur, nous parlons de Ville Moscou. Ville Moscou, c'est capitale pays la Russie. Li gen yon gros patrimoine architecture culturelle moderne. C'est-à-dire, lorsque vous allez visiter ville, en plus que pour Coupe du Monde, ça va bien pour assister plusieurs belles matchs, mais tout après ou avant match, et bien vous êtes capable de possibilité visiter ville et découvrir beauté ville ça, puisque nous parlons de yon gros patrimoine architecture culturelle moderne. Ville ça gen plus moun kap vive là-dedans en Europe. Li gagnent environ 11 980 000 moun kap vive là-dedans. C'est énorme. Ville gagnent plus moun que pays d'Haïti, puisque pays d'Haïti li gagne environ 10 à 11 millions de monde qui vivent là-dedans, alors que Ville Moscou seulement gagne 11 980 000 monde qui vivent là-dedans. Madame, monsieur, qui t'en dit que Ville Moscou, Chitakoli, dans le centre-ouest, pays la Russie, à une hauteur de 225 mètres. Et Ville Moscou gagne une superficie, attendez ça, une superficie de 2500 km². Alors que pays d'Haïti qui gagne pour capitale Port-au-Prince gagne une superficie de 36,4 km². Ça montre qui gens Ville Moscou, li gros, li large, li énorme, une superficie de 2500 km². Ville Moscou gagne plusieurs sites, plusieurs belles sites. Des sites bien structurés, parmi eux, cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Li gagne là-dedans tout la place rouge, les murs du Kremlin. Alors, ville Kremlin, eh bien, c'est là que cérémonie. Tirage au sort, Coupe du Monde l'ont fait. C'est là que tu apprends le connaître. Dans qui groupe Brésil tombé, dans qui groupe l'Argentine tombé, et l'Allemagne, etc. Les gagnants tout, ils ont l'autre site qui c'est le mausolée de Lénine. En plus de site ça, Ville Moscou gagne plusieurs autres gratte-ciel, notamment gratte-ciel stalinien, les gagnants bibliothèque de Lénine et centre commercial Le Goum. Voilà tout site à Graciel, Ville Moscou pour compte les gagnants. Qui donc, lorsque vous avez fait deux têtes ou une possibilité pour aller en Russie, pour aller dans Ville Moscou, pour aller regarder match football lors de Coupe du Monde, ça, eh bien, non seulement vous avez pour regarder match football, mais vous avez possibilité pour faire tête ou plaisir, pour visiter tout site ça yo à Graciel ça yo dans Ville Moscou, qui c'est vraiment une ville merveille en Europe. Madame, monsieur, Moscou, c'est la seule ville qui disposait de stades pour recevoir match dans 421e édition Coupe du Monde. 11 matchs ont bien pour dérouler dans Ville Moscou. Parmi 11 matchs, 7 matchs dans le premier tour. Bien sûr, match d'ouverture là, entre pays organisateurs, là, la Russie et Arabie Saoudite. A gagné tout Islande-Argentine, Allemagne-Mexique, a gagné Portugal contre le Maroc, Danemark contre la France, et puis a gagné Brésil contre la Serbie. Toute rencontre sa yo, dans le premier tour, a déroulé dans la ville Moscou, qui est la capitale pays la Russie. Mis à part de 11 matchs premier tour, a gagné 2 matchs dans 8e de finale, 1 match en demi-finale et puis gros causé, nous connaît li grande finale là a fait dans ville Moscou. Donc c'est pral en pile football qui pral dérouler dans ville ça
et dans le cadre 21e édition Coupe du Monde, ça a démarré, sorti 14 juin pour bout 15 juillet 2018. Madame, Monsieur, nous sommes portés pour ville Moscou. Eh bien, dans le prochain numéro, nous sommes portés pour ville Saint-Pétersbourg. Ville Moscou, tout comme ville Saint-Pétersbourg, c'est deux villes qui gagnent deux grands clubs là-dedans. C'est SKA Moscou et Zenit Saint-Pétersbourg. C'est SKA Moscou, tout comme Zenit Saint-Pétersbourg, c'est deux clubs qui habituent présents dans la phase de groupe Ligue des Champions. Donc, tous les deux villes, ça y est, pral accueilli plusieurs matchs dans le cadre 21e édition Coupe du Monde aussi 2018. Ça. Alors, c'est ça, nous te poté pour, madame, monsieur, journée, jeudi, en Info Mondial. Nous te... Voilà, vous avez suivi la rubrique Info Mondial avec collaborateur nous, Jérôme Pierre. C'est une nouvelle rubrique qui lance à partir à Souéa sous cause Coupe du Monde. Là, cas privé très bientôt sous nous. N'a pas retourné pas bon la caille dans journal là pour nous annoncer suite avec diverses opérations contre contrebande administration générale douane rivé saisi yon vingtaine camions qui t'a transporté marchandises contrebande dans pays qui sorti en République dominicaine. Directeur général douane là Jean Jorel janvier annoncé gen enquête qui déjà l'ouvri pour identifier et puis poursuivre tout le monde qui impliqué dans zak contrebande sa yo. Compte rendu, Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Zé, salami, sandal, tennis, assiette en forme, c'est parmi diverses marchandises contrebande qui trouvaient un poste contrôle douane Gantia suite à une opération responsable administration générale douane menée en collaboration avec l'autre instance dans l'État qui permet de arriver saisi dans la nuit 15 mai à 7 camions qui ont transporté marchandises à yo, selon le directeur général douane Jean-Jaurès Janvier. Tout camion ça a été gagné là-dedans au produit illicite. Produit illicite qui est soyé, gagné là-dedans qui gagne forme, gagné là-dedans qui gagne jus, gagné là-dedans qui gagne salami. Et c'est des produits qui frappaient d'interdiction pour ne pas passer au niveau frontière terrestre. En ce sens, nous procédons à la saisie de ces camions. La saisie s'est faite dans la nuit du 15 mai. 2018. Ça veut dire que son opération nous commençait à faire filature depuis 7h du soir. À partir de 1h du matin, nous commençait à gagner le premier camion. Jusqu'à ce que nous arrivions pour une nuit, là, nous saisissons 7 camions. Mais pour nous saisir, nous avons dit que c'est une vraie guerre. C'est une bataille. Parce que nous avons tiré et sous policiers et sous douaniers. Là, nous avons tiré, qu'on y a. Contrebandier yo là où est bataille là trop favorable pour yo yo prend la fuite et yo quitter camion ça dans la rue. Le 10 mai nous saisi un fusil avec 4000 cartouches calibre 40 ça ne fait dans douane du port de Port-au-Prince. Dans niveau douane Mon Cabritla constat pas département côté gain environ 10 camions marchandises contrebande qui confisqué suite à une autre opération même autorité ça a été lancé. Dans la nuit 16, rivé 17 mai 2018, là, d'après le directeur central AGDA Valérie Hilaire Sylvain. C'est dans le cadre d'une opération que nous avons fait conjointement avec la police frontalière. Nous avons une quantité de camions qui viennent de marchandises très importantes et près de 7 à 8 camions. Une dizaine de camions que nous avons là. Nous avons des produits en styrofoam, c'est des produits interdits. Nous avons des œufs, des salamis, nous avons des soudures, nous avons et peinture, nous gagnons toutes sortes de produits. Directeur général douane expliquer yo suivre toute procédure légale dans ça qui gagne pour à camion marchandises contrebande yo saisi yo. Considération légale camion yo. Nous faisons déjà nous font saisie conservatoire d'abord et nous télé la justice. Juge de paix t'est venu, yo fait saisie ça. Nous gon l'autre bagarre nous va le faire, l'un fin vérifier nous va le faire confiscation. Puisque jusqu'à présent, le camion ça là, pas aucun monde qui réclame, l'État autorise la loi, bonne possibilité, l'infinité de confiscation pour nous vendre et marchandises et camions. C'est diverses instances dans l'État, tant que la police, la justice, la douane, secrétaire d'État, sécurité publique, ministère économie et finance, ministère commerce et industrie, qui mobilisent pour combattre la corruption contrebande dans le pays.
Directeur général douane explique que chaque acteur déterminé pour jouer partition par eux pour lutter contre contrebande dans le pays. Mairie Port-au-Prince annonce un ensemble de mesures pour aider à gérer plus bien la question Fatra dans la commune. Parmi les mesures, il mettait dehors un arrêté communal. Magistrat principal mairie, Yuri Chevry, qui était gagné à clé, substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, et directeur départemental l'Ouest, police nationale, Berson Soljour, poté jeudi 24 mai. Plus explications sous disposition qu'apprend pour faire respecter l'arrêté SILA. Mais actuellement, nous avons une flotte de 18 camions avec un lot de. Dans le mois prochain, on a bien 7 autres camions avec deux bacs lot de et un lot de en plus qui nous permettent de faire travail collecte là, bas digestion. On a toujours un petit collecte là qui permet que nous allons ménager. Ménager, ça veut dire en tant qu'à chaque grand monde pour nous prendre un travail pour arriver dans la rue. Mais mes raisons, vraies raisons de faire la rue. Tout le monde est toujours demandé pour que ça nous pas empêcher monde jeter fatra dans la rue. Certes, nous pas empêcher monde, nous pas demander monde pas jeter fatra, pas bon côté pour jeter fatra si nous même nous pas faire suivi. Et bien sûr, tout le monde va parler de SNCRS. SNCRS couvre toute zone métropolitaine, mais chaque ville yo gain droit yo même gérer tête yo dans question et d'insalubrité, ça veut dire nettoyage la rue. C'est ça n'a réglé, c'est ça n'a fait pour nous parer nous fin prêt. Nous avons 2 semaines que nous commençons avec une expérience déjà. Nous divisons la ville en 9 blocs. 9 blocs, il y a des blocs qui sont plus gros que l'autre. Nous avons 13 compressifs qui travaillent sur eux. Ça veut dire les compressifs, c'est le camion qui prend fatra, qui a compressé le bouquin maximum fatra. 13 blocs, ça y est, je ne vais pas dire tout dans la tête. Nous divisons et pour nous faire 9. Le mardi, le jeudi, le samedi, nous travaillons sur 7 blocs. Et le mercredi, le vendredi, le dimanche, nous travaillons sur 2 autres blocs qui font 9. 2 autres blocs, ça, c'est sur 12 zones, Fontamara, Martissan, Bicentenaire, et qui travaillent dans 2 jours. Ça. Zone Jean-Mas, là, interdit à quel que soit maintenant, ou bien préciser, quel que soit maintenant, quand on travaille pour l'État, quand on est simple citoyen, quand on est étranger, quand on est n'importe qui sont derrière, si bon monde qui joue, nous avons fait des dans la zone, ça, dans le cas ça a là, c'est une sanction à l'amende. Donc amende c'est cob, mon nouvel pays. Ouais, article c'est cob 10 000 gourdes, 50 000. On met dans leur sanction tout, c'est pour rapidement son tribunal qui prononce. Son tribunal qui prononce. Nous même nous avons tout appuyé nous à démarche ça, nous avons trouvé son démarche qui gagne pour finalité réguler le comportement mon non. Dans la société a, par rapport à résidus et que pour nous capables de vie propre, saine et qui capable de permettre de marcher là-dedans et sentir à l'aise là-dedans. Disposition légale qui crée. Donc nous là pour nous appliquer la loi et les réglementations à la fois de l'exécutif et des mairies. La police nationale d'Haïti, à la fois police d'État et ils sont police communale, puisque les policiers, conformément à la loi, doit exécuter les arrêtés des maires. Donc, dans ce sens, policier dans la direction départementale de l'Ouest a recevoir instruction pour nous appuyer et exécuter arrêté ça qui prend en fonction du pouvoir général, de la doctrine. Donc, la mairie, le maire et le pouvoir de police générale. Et dans le cadre de pouvoir de police générale, ça, c'est la police de la salubrité. Donc, côté que pour garantir santé et en même temps la sécurité, salubrité de la population, il y a des décisions qui prennent. Donc, la police nationale, donc, dans le secteur de la frontière de l'Ouest, donc, la France, toute disposition pour que arrêter ça, l'exécuter et l'appliquer. Le journal la privé nan bout li, mais quelques points de développer avant nous aller.
Président République, la Jovenel Moïse, est visité jeudi 24 mai, foyer Maison Provinciale des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, dans Carrefour-Feuille. Visite sa fête, dans l'occasion fête Marie Auxiliatrice, qui est patronne salésienne. Équipe Caravane Changement, dans le département l'Ouest, en met une série de travail nettoyage dans la rivière Blanche, dans la commune Gantier. Une équipe télévision a visité travail sa yo. Dans un arrêté communal li mette dehors, mairie Port-au-Prince annonce yon amende en 10 000 à 50 000 goud contre tout moun ak toute entreprise kap jete fatra nan la rue. Yon délégation CARICOM rentre nan pays depuis ayer mercredi 23 mai. Objectif fait visite là c'est pour travay sou yon projet CARICOM ap mette campé qui baptisé projet mise en place accès sous résultat. Suite à diverses opérations contre contrebande, administration générale douane rive saisi yon vingtaine de camions qui t'a transporté marchandises contrebande en Haïti qui sorti en République dominicaine d'après directeur général douane là Jean-Jorel Janvier. Institut national la formation professionnelle INFP signe jeudi 24 mai deux accords. Yon ak organisation internationale travail et puis l'autre la centre interaméricain formation professionnelle a konsayo doué aider augmenter capacité INFP dans cadre des formations professionnelles jeunes qui vivent dans milieu rural. Et puis à l'étranger, il y a un président américain Donald Trump qui a annulé sommet historique qui était prévu pour jeudi 12 juin en Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Et puis avant nous aller, il y a Hubert Hermilus qui a 90 l'année, qui a quitté route Kaili depuis hier, bloc 9h dans matin comme ça. Famille mande n'importe moun qui ta wè personnage la sou route yo pou yo ta kontakte France Jean-Marie nan numéro nou pral bay yo 37 95 08 56 37 21 84 30 ou bien menel nan télévision nationale d'Haïti pou famille. C'est là nous mettons un bout avec téléjournal là. Merci à vous même qui t'ai prêté nos attention. Nous souhaitons passer une très bonne soirée en compagnie.